Bienvenue à chacune et à chacun. Nos vies sont agitées. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas toujours. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, et pour nous laisser accueillir par le Dieu vivant. Et c'est lui qui nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils et la consolation du Saint-Esprit nous sont offerts. Pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Je vous invite à vous lever pour entrer dans la prière de louange avec ces mots inspirés du psaume 136. Il est si bon de célébrer l'être qui a tout créé, car son amour dure à toujours. De célébrer ses grandes merveilles, car son amour dure à toujours. De célébrer sa sagesse dans l'immensité de l'univers, car son amour dure à toujours. Il est si bon de célébrer l'être qui a tout créé, qui a fait la Terre, cette planète bleue, car son amour dure à toujours. Qui a fait les astres et les galaxies, car son amour dure à toujours. Le soleil qui règle nos journées, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles qui éclairent nos nuits, car son amour dure à toujours. Amen. Éternel, nous voulons te dire quelque chose devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre. Te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Seigneur, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre, à travers d'autres points de vue, comment servir à quelque chose, à quelqu'un,
quelques-uns, sans être esclave d'une cause. Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit. L'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui. La flamme au fond des couloirs d'ombre. Le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Ce matin encore, la grâce de Dieu nous est donnée. Elle est donnée à chacune et à chacun d'entre nous. Sais-tu qu'aujourd'hui, tu es enfant de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Tu es aimé tel que tu es, parce que Dieu est pardon. Alors va, avec la force que tu as, vis, aime, crois, deviens source de bénédiction. Amen. Thank you.
Ce matin, je vous invite à méditer un texte qui est à la fin de l'Épître aux Philippiens. C'est la fin même de ce texte. Dans cette lettre écrite autour de 60, Paul s'adresse comme un pasteur à la communauté de Philippe, encourageant ses membres à faire la paix, à un comportement vertueux, et il remercie aussi ses destinataires de le soutenir financièrement dans l'exercice de son ministère. Et voici donc ce qu'écrit Paul avant de mettre un point final à sa lettre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Je me suis grandement réjouie dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique, déjà plus d'une fois, vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Oh, ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. J'ai tout ce qu'il me faut. Et je suis dans l'abondance, je suis comblée, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, la gloire à tout jamais. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.
humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. Voici ce dont témoigne l'apôtre Paul. Il peut supporter le manque comme l'excès. Tout lui semble possible. Quelle capacité d'adaptation! Et s'il peut ainsi s'adapter à toutes les circonstances, c'est le fruit d'un apprentissage, comme il le dit lui-même. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Vivre dans le contentement. Eh bien, dans notre société d'hyperconsommation, cela demande pour nous aussi un apprentissage. Cela demande de faire preuve de force intérieure face aux publicités, aux injonctions multiples qui nous font sans cesse ressentir que nous n'avons pas assez, nous n'avons jamais assez de rien. Dans notre contexte, pouvoir se contenter de ce que l'on possède est une bénédiction. C'est une bénédiction car cela signifie que nous sommes non seulement capables d'un certain détachement, mais que nous sommes également capables de faire l'expérience de la puissance du renoncement. Mais pourquoi vous parlez de contentement, de détachement, de renoncement, alors que nous sommes en pleine campagne œcuménique de carême et que ce matin, en tant qu'animatrice Terre Nouvelle, je suis censée vous parler aujourd'hui du thème de la campagne de cette année, justice climatique, maintenant. Eh bien, voyez-vous, j'ai essayé de saisir quels sont les ressorts spirituels qui peuvent nous permettre de contribuer à plus de justice au cœur de la crise climatique majeure que nous vivons. Alors, il suffit de s'intéresser à l'empreinte écologique de la Suisse pour prendre conscience de l'ampleur de cette crise. Si tout le monde vivait comme un Suisse, il nous faudrait presque 3 planètes. Et sur la page de l'Office fédéral de la statistique de la Confédération suisse, il est écrit ceci. Ce mode de vie n'est pas durable, car la consommation suisse par personne est 2,8 fois plus grande que les prestations et ressources environnementales globales disponibles par personne. Nous vivons donc aux dépens des générations futures et d'autres régions du globe. Le constat est sans appel. Alors, comment contribuer à notre mesure à une amélioration de la situation? Comment agir au niveau local, personnel? Les réponses sont multiples, nous le savons. Éco-gestes, compensation de notre empreinte carbone, zéro déchet, mode de vie plus minimaliste. Pour qui souhaite vivre plus simplement et réduire son empreinte écologique, il est possible au quotidien d'adopter des conduites vertueuses. Il est vraiment possible aujourd'hui de faire sa part. Mais ici même, de notre lieu ce matin, quelle réponse pouvons-nous apporter? Comment notre ancrage dans la tradition réformée peut-il nous aider à essayer de vivre de manière plus juste et plus vertueuse? Alors si, de nos jours, Pierre Rabhi a permis de diffuser largement son concept de sobriété heureuse, notre tradition réformée n'est-elle pas, elle, porteuse d'une austérité joyeuse? Aujourd'hui, une des grandes forces de notre tradition n'est-elle pas justement ce qui lui a été reproché, souvent, sous forme de cliché, c'est-à-dire notre austérité? Ce qui a pu être vu comme un travers de la religion protestante ne peut-il pas être considéré
comme une force, comme une ressource, comme un levier pour faire face à la situation actuelle. Je le pense. Et je pense également que l'austérité protestante peut être une source de joie. Je pense que faire le choix d'une vie plus frugale, plus simple, peut être une source de joie presque inépuisable. Vous le savez bien, cette joie qui naît de la satisfaction immédiate de nos besoins et de nos pulsions ne dure jamais. Et la recherche incessante du plaisir, qui devient souvent addictive, ne peut conduire finalement qu'à une profonde déception. Une joie plus durable est-elle possible? Certainement. C'est une joie qui naît d'une juste posture dans notre existence. Et en effet, quelle joie! Quelle joie de pouvoir vivre à sa juste mesure, dans une forme d'équilibre serein, en n'étant ni dans le pas lassé, ni dans le trop. Alors nous le savons, nous sommes des êtres de désir, et que nous aimions faire du shopping, bien manger, être dans une dynamique de croissance et d'épanouissement, cela fait partie des joies de l'existence et c'est légitime. Mais le problème aujourd'hui n'est pas d'acheter, de manger, d'aimer être dans une dynamique de croissance. Le problème aujourd'hui, c'est l'excès. C'est le refus des limites. C'est la course en avant au nom du toujours plus. Le problème n'est pas de désirer, mais c'est l'orientation parfois vrillée de nos désirs, quand ils ne sont tournés que vers notre propre satisfaction. Oserons-nous sortir de la démesure pour oser la simplicité? Alors, dans son manuel de bonne vie, publié en 1905, le pasteur et écrivain Charles Wagner ouvre son chapitre sur la vie simple par ces lignes d'une grande pertinence que je vous lis maintenant. Quand on passe en revue les causes particulières qui troublent et compliquent notre vie sociale, de quelque nom qu'on puisse les désigner, elles se ramènent à une cause générale qui est celle-ci, la confusion de l'accessoire avec l'essentiel. Il faut dégager, libérer la vraie vie, la remettre en honneur, placer toute chose à son rang, et se souvenir que le centre du progrès humain est dans la culture morale individuelle. Ce que Charles Wagner relève ici d'une distinction nécessaire entre l'accessoire et l'essentiel résonne particulièrement en cette période où il y a tant de débats sur ce qui est vraiment essentiel. Nous sommes aujourd'hui appelés à un discernement collectif et individuel qui pourra peut-être nous aider à saisir ce qui est vraiment essentiel pour nous. Ce discernement collectif, nous le savons bien, est en cours. Et personnellement, nous pouvons aussi travailler à déconfusionner l'accessoire et l'essentiel. Ne sommes-nous pas trop souvent pris dans la vague de l'hyper-confort et du superflu, pris dans l'illusion qu'avoir plus contribuera à notre croissance personnelle? Bon, ce qui est certain, c'est que notre porte-monnaie sera plus vide. Mais est-ce que notre cœur sera plus plein? Est-ce vraiment en achetant et en consommant que nous serons plus heureux? Est-ce ainsi que nous répondrons au désir de nous sentir plus vivants? Est-ce ainsi que nous libérons la vraie vie, comme le dit Charles Wagner?
Pour sortir de la confusion, de l'accessoire et de l'essentiel, il est bon de s'arrêter et de prendre le temps du recul, de pratiquer un certain détachement. Et oui, je pense qu'il est vraiment bon de prendre le temps du détachement par rapport à nos habitudes, qui sont presque devenues des réflexes. Prendre du détachement par rapport à nos comportements, par rapport aux publicités qui envahissent nos écrans et nos journaux, par rapport aux discours aussi qui nous font croire que le bonheur est à portée de main en un clic. Et c'est bien de détachement dont il est question quand Paul affirme « Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. » Paul ici affirme la souveraine liberté de l'homme qui arrive à être détaché dans la pauvreté comme dans l'abondance. Il sait vivre dans toutes les situations. Une part de lui-même ne dépend pas des circonstances extérieures. Juste avant, au verset 11, il écrit « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Alors le terme grec employé ici peut être traduit par « être autosuffisant, satisfait, content avec ce que j'ai. » Eh bien, Paul est content avec ce qu'il a. Il est autosuffisant. Ici, il est clairement question de la maîtrise autarcique. La maîtrise autarcique de soi-même, si chère aux sages stoïciens. Mais dans notre texte, Paul ne s'appuie pas seulement sur sa sagesse, mais il s'appuie premièrement sur le Christ, sur celui qui le renforce et par qui il peut tout, nous dit-il. C'est sa foi en Jésus-Christ qui lui donne cette force, qui lui permet de ne pas être soumis aux circonstances extérieures. C'est le Christ qui lui offre confiance en la vie et liberté intérieure. Alors vous l'avez entendu, ces affirmations pauliniennes sur le contentement et le détachement s'inscrivent dans un extrait de la lettre aux Philippiens où Paul remercie les Philippiens de l'aider financièrement et de contribuer très concrètement à son ministère apostolique et à la diffusion de l'Évangile. Et Paul est tout heureux que cette solidarité, qui avait été interrompue pour une raison que nous ne connaissons pas, puisse se poursuivre. Et poétiquement, il dit que l'intérêt des Philippiens pour lui a refleuri. C'est un printemps de son compte bancaire. Paul est reconnaissant parce que son collaborateur Épaphrodite a pu lui remettre le don de la communauté de Philippe. Et vous voyez ici, il n'y a absolument aucun tabou par rapport à l'argent et à la solidarité entre chrétiens. Au contraire, Paul exprime toute sa joie. Il ne fait donc pas l'apologie du dénuement et du manque. Il exprime simplement le fait qu'il peut supporter le manque. Et puis par-dessus tout, dans sa manière de considérer l'argent et les biens matériels, Paul témoigne de sa liberté par rapport à ces derniers. Reconnaissance et liberté intérieure, ce sont les mêmes thèmes que l'on retrouve chez Calvin des siècles plus tard, dans l'institution de la religion chrétienne, dans son chapitre intitulé « De la liberté chrétienne ». Et dans ce chapitre, avant de parler du contentement, en faisant allusion justement à l'apôtre Paul, eh bien Calvin parle du bon usage des dons de Dieu, avec pure conscience. Et il encourage à la tempérance. Calvin écrit ceci. Et je vous laisse goûter à son écriture et à sa langue. Certes,
et l'ivoire, et l'or, et les richesses sont bonnes créatures de Dieu, permises et même destinées à l'usage des hommes, et n'est en aucun lieu défendu ou de rire ou de se saouler. Alors là, je suis quand même allée vérifier. Alors, se saouler, ça veut dire se rassasier. Donc, en aucun lieu, il n'est défendu ou de rire ou de se rassasier ou d'acquérir une nouvelle possession ou de se délecter avec instruments de musique ou de boire vin. Cela est bien vrai. Mais quand quelqu'un est en abondance de biens, s'il s'ensevelit de délices, s'il enivre son âme et son cœur aux voluptés présentes et en cherche toujours de nouvelles, il recule bien loin de l'usage sain et légitime des dons de Dieu. Qu'ils ôtent donc leur mauvaise cupidité, leur superfluité outrageuse, leur vaine pompe et arrogance pour user des dons de Dieu avec pure conscience. Quand ils auront réduit leur cœur à cette sobriété, ils auront la règle de bon usage. Que cette tempérance défaille les délices, même vulgaires et de petit prix, passeront en mesure. Alors vous voyez que pour Calvin, la liberté chrétienne ne consiste pas à faire n'importe quoi, elle consiste à être capable de faire bon usage des dons de Dieu, dont il invite à ne pas abuser. Mais vous l'avez entendu aussi, il ne condamne pas les plaisirs terrestres. C'est la démesure qu'il condamne, d'où son appel à la sobriété. Cet appel à la sobriété, nous le retrouvons dans son commentaire des premiers chapitres de la Genèse. Alors nous le savons, ces premiers chapitres de la Genèse thématisent la question de la limite donnée à l'être humain et la notion de péché s'articule en partie au refus de cette limite. Comme si dès l'origine, l'humanité devait composer avec la tentation de l'accaparement, du désir inconscient de tout avoir, comme si être marqué du manque était insupportable. Mais revenons au commentaire de Calvin, à un passage que je trouve très inspirant et d'une actualité surprenante. Alors à son époque, bien sûr, l'humanité ne détruisait pas encore l'équilibre de la biosphère. Aucun dérèglement climatique majeur en vue, menaçant une partie de la population ou les conditions de vie des générations à venir. Donc pas de réchauffement climatique, mais peut-être déjà, au temps de Calvin, un échauffement des désirs et en l'être humain, une propension à l'abus. Et je vous lis Calvin dans son commentaire de Genèse 2,15. Adam fut ordonné gardien de ce jardin pour montrer que nous possédons ce que Dieu nous a mis en main à cette condition que nous nous contentions d'en user sobrement et modérément, gardant ce qui est de reste. Que celui qui possède un champ en reçoive le fruit annuel, de telle sorte qu'il ne permette point que le fond se détériore par négligence, mais qu'il prenne la peine de le donner à ceux qui viendront après lui, aussi bien ou mieux cultivé qu'il ne l'a reçu. Qu'il vive des fruits de telle sorte qu'il n'en gâte rien par excès, il ne laisse rien corrompre ou périr par négligence. Afin qu'une telle épargne ait lieu parmi nous et qu'il y ait une telle diligence à entretenir les biens dont Dieu nous a donné jouissance, que chacun pense qu'il est l'économe de Dieu en tout ce qu'il possède. Par ce moyen, il ne lui adviendra pas de se comporter dissolument, ni de corrompre par abus ce que Dieu veut être gardé et entretenu. Pour Calvin, Dieu par sa bonté, Dieu par sa sollicitude paternelle, dit-il, Dieu nous a permis de profiter de ses dons et des bienfaits de la création. Et vous l'entendez,
Calvin donne ici des conseils très pratiques pour en faire un bon usage. Sobriété, modération, ni excès, ni négligence. Conscience que tout est don dans notre vie. Et vous l'avez entendu, Calvin en appelle aussi à la responsabilité pour nos descendants. Quand il dit à propos du propriétaire du champ qu'il doit prendre la peine de donner à ceux qui viendront après lui un champ aussi bien ou mieux cultivé qu'il ne l'a reçu. Ainsi, comme Paul, nous trouvons ici, chez Calvin, une invitation à garder une forme de détachement, à être responsable de nos possessions, à user de ce qui nous est donné avec respect. Paul, Calvin à sa suite, incarnent tous deux une attitude sage et modérée. Ils puisent, l'un comme l'autre, à la source de la confiance dans leur relation à Dieu. Et c'est bien leur vie spirituelle qui leur permet de vivre dans ce monde de manière souveraine et de goûter en tout instant à la liberté des enfants de Dieu. Et j'ai essayé de comprendre ce qui soutenait chez eux cette dynamique interne, ce qui, dans la foi chrétienne, permet de vivre avec sobriété et modération, et en même temps, dans un profond contentement. Finalement, mais qu'est-ce qui peut nous permettre de faire coexister en nous austérité, sobriété et joie? Alors, ma réponse n'est pas exhaustive, bien sûr, mais il me semble que ce qui est à l'œuvre ici, c'est la puissance du renoncement. Alors, on pourrait y voir un écho à la puissance du renoncement qui est mise en récit au chapitre 2 des Philippiens, quand on nous parle de la kénose du Christ qui se dépouille de lui-même, le Christ qui vit l'ultime renoncement. Et je crois que c'est cette puissance du renoncement qui est à l'œuvre, en amont du refus des abus, en amont du détachement et du choix d'une vie sobre et frugale. C'est cette puissance du renoncement qui est à l'œuvre, en amont du don et du partage. Je renonce à jouir de tout ce qui m'est donné pour partager avec l'autre. Il n'y a jamais de partage s'il n'y a pas d'abord renoncement. Ainsi, la puissance du renoncement peut nourrir notre désir de plus de simplicité, de plus d'équité, de plus de justice. Très basiquement, c'est cette puissance du renoncement qui est à l'œuvre quand vous arrêtez de manger dès lors que vous éprouvez un sentiment de satiété. C'est cette puissance du renoncement qui est à l'œuvre quand vous renoncez à dépenser de l'argent pour quelque chose qui vous fait envie sur l'instant, mais qui est accessoire. C'est cette puissance du renoncement qui est à l'œuvre quand vous êtes capable de mettre un terme sereinement à un engagement, qu'il soit relationnel ou professionnel, quand vous lâchez ce qui n'est plus essentiel. La puissance du renoncement est ce qui peut nous permettre de recouvrer notre liberté dans tous les domaines de notre vie. Très souvent, on se demande, mais que dois-je donc faire pour aller mieux ? Modifier la question en appelant à la puissance du renoncement peut être bénéfique. Que puis-je arrêter de faire pour aller mieux? Mettre en œuvre notre puissance de renoncement implique que nous convoquions notre volonté intérieure, notre capacité à faire des choix. Et je pense que recouvrer ainsi sa force de décision procure une joie durable, s'alléger du superflu également, et revenir à ce qui nous comble vraiment est aussi source de joie. Car alors,
ne vivons plus dans la peur de manquer, nous sommes enfin libres de faire des choix justes et éclairés pour nous et pour les autres. Amen.
vous invite à vous recueillir dans la prière d'intercession. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Si tu discernes en nous quelque générosité, augmente-la par ta grâce. Lorsque notre désir de renouveau s'affaiblit, ravive-le par ta vérité et la créativité en notre cœur, approfondis-la par ta sagesse. Partout où surgit un espoir de réconciliation, que ta puissance nous unisse. Suscite en nous un esprit sincère, la passion de la justice et le courage de nous engager sur ta voie prophétique. Tourne vers nous ta face, ô Dieu, et insuffle-nous la vie de ton esprit. Nous aspirons à la justice, nous aspirons à la paix, à la fin des oppressions, afin que des chants de soulagement et d'amour montent vers toi. Nous t'en prions, donne-nous assez de courage et d'espérance pour élever bien haut la flamme de l'espérance aux quatre coins de notre monde, au sud, à l'ouest, au nord et à l'est. Et c'est en communion les uns avec les autres et avec les chrétiens du monde entier que nous voulons te dire ensemble, notre Père. Gracias.
du chant ce matin. Merci à Serge Hing et merci à Vincent Thévenin d'élever nos âmes grâce au chant et à la musique. Merci également à Aydroun Levé et à Martine de Félis pour leur participation à la liturgie. Et puis merci aux conseillers et conseillères de Saint-Pierre pour leur accueil. C'est grâce à eux que tout se déroule au mieux. J'ai oublié de vous demander s'il y avait des annonces particulières pour la paroisse de Saint-Pierre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous avancer. Et j'avais quelques annonces pour ma part à propos donc, de Terre Nouvelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, c'est une offrande majeure dans l'église protestante de Genève. Offrande majeure en faveur de Pain pour le prochain dans le cadre de la campagne œcuménique de Carême. Comme je vous le disais, la campagne œcuménique a pour thématique cette année justice climatique maintenant. Et je vous en dis un peu plus à ce sujet. Alors qu'elles n'ont guère contribué au dérèglement climatique, des millions de personnes dans les pays du Sud voient leur existence menacée par des typhons, des inondations, des sécheresses et d'autres conséquences des changements climatiques. Dans le cadre de la campagne œcuménique, Pain pour le prochain et Action de Carême, en collaboration avec Être Partenaire, dénoncent cette injustice et demandent que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, à savoir les pays du Nord, dont la Suisse et leurs citoyens, prennent davantage leurs responsabilités. Pour sauvegarder la création et renforcer notre solidarité envers les populations des pays du Sud, il nous faut en effet apprendre à vivre plus sobrement, tant sur le plan individuel que collectif. Notre mode de vie influence le changement climatique et a des répercussions directes dans les pays du Sud. La consommation immodérée de viande et de production industrielle fait par exemple augmenter la demande en fourrage, de sorte que d'énormes surfaces de forêts tropicales sont déboisées, aggravant ainsi le dérèglement climatique. De plus, la sécurité alimentaire des populations du Sud est déjà menacée. Et c'est pourquoi Pain pour le prochain, Action de Carême et Être Partenaire leur viennent en aide, en leur fournissant des ressources, leur permettant de s'adapter au changement climatique. Avec des semences résistantes à la sécheresse ou en soutenant des projets d'énergie renouvelable, entre autres. Alors, un grand merci pour votre soutien, votre générosité. Votre offrande sera recueillie donc à la sortie. Puis à la sortie, vous trouverez aussi des kits, les kits de Carême. Vous trouverez le calendrier de Carême pour les adultes et puis de quoi jouer avec les enfants et faire un travail de sensibilisation par rapport à la justice climatique. Et puis ce petit pot peut être utilisé aussi comme une tire-libre pour faire un don aux œuvres d'entraide protestante. Donc n'hésitez pas à en prendre pour vous ou pour des enfants que vous connaissez. C'est un cadeau qui vous attend. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je voulais aussi vous annoncer que ce mardi 16 à 18h30, sur Zoom, aura lieu une rencontre avec Christophe Monod et Frédéric Rognon, qui sont donc des théologiens qui ont écrit « Église et écologie, une révolution à reculons ». Donc c'est un livre publié chez Labor et Fides. J'ai encore deux exemplaires si vous voulez en acheter un. Et ce Zoom est organisé dans le cadre d'un auteur un livre. Et nous avons eu envie d'inviter Christophe Monod et Frédéric Rognon parce qu'ils font vraiment une analyse très détaillée et assez passionnante de la manière dont les églises ont été prophétiques sur les questions d'écologie. Puis finalement, après, elles sont devenues suiveuses. Et donc, ils analysent comment nos institutions, parfois, ralentissent des élans prophétiques qui peuvent avoir lieu à la base, au niveau des théologiens. Donc, je trouve que c'est intéressant pour l'écologie, mais aussi pour analyser le fonctionnement institutionnel. Donc, n'hésitez pas à participer à ce Zoom. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien. À
propos aussi de tout ce qui est écologie, ce matin, je voulais juste vous dire que nous avons beaucoup de chance en ce moment. Il y a plein de choses nouvelles qui émergent, et en particulier un nouveau label, Éco-Église. Il y avait déjà un label écologique pour les paroisses qui existe depuis de nombreuses années, qui est Coq Vert, et puis maintenant il y en a un autre qui est un petit peu moins contraignant, Éco-Église. Et pour une fois en Église, nous ne faisons pas concurrence, mais nous travaillons ensemble. Puisque le représentant Coq Vert, Jacques Maté, est ici ce matin, il fait partie du Conseil Terre Nouvelle, et il sera à la sortie si vous souhaitez poser des questions. Jacques, tu peux peut-être te lever, pour des personnes qui ne te connaissent pas. Quant à moi, bien, je représente dans le même Conseil Terre Nouvelle, Éco-Église, et l'un et l'autre, eh bien, nous sommes à votre disposition pour vous en dire plus. Il s'agit en fait de démarches que nous pouvons faire au sein d'une paroisse, pour faire un éco-diagnostic, faire le point, autant sur la question de la théologie de la création, de la place de la nature et de l'écologie dans la liturgie, que sur des questions de bâtiments, d'électricité, des choses tout à fait concrètes. La paroisse de Chêne, depuis un bon bout de temps déjà, est engagée dans cette démarche. Je trouve que c'est absolument passionnant ce qui est en train de se passer. Et au niveau de la paroisse rive gauche, nous commençons à faire un petit pas vers le label Éco-Église. Mais je vous en reparlerai certainement. Merci pour votre générosité. Ce culte touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Dieu nous bénit. Il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des humains, afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Dieu nous bénit. Il nous donne ses larmes devant la souffrance de nos frères et sœurs, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Dieu nous bénit, il nous donne la folie de son utopie, afin que nous soyons le sel et la lumière de ce monde, et que nous soyons capables de faire ce que les autres croient être impossible. Dieu nous bénit, lui qui crée, qui renouvelle et sanctifie aujourd'hui et toujours. Amen.